DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. Na fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo e koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Bien, merci, bonjour à tous, à tout le monde, surtout à ceux qui nous suivent au niveau de la ville martyre de Goma, Tango Koki, ici à Kinshasa, Topé Sibino, Mbote. Sans oublier ceux qui sont au niveau de l'Égypte, dans le pays notamment, il y a Mohamed Aboudrika. Nous vous disons bonjour, nous sommes Tango Koki. Alors, c'est toujours un grand plaisir. Et ça fait toujours la joie de nous retrouver encore pour l'Europe Sabino, Mana Cannabiso, ma communication politique, environnementale et économique. Il y a l'Europe Sabino, ma analyse. L'Europe Sabino, ma information en temps réel. Il y a ma cambo, et ça, que Nambo Cannabiso. Alors, urgent, c'est que vous venez de suivre en dehors de la vidéo Obouti Kotala. C'est une vidéo Oyo. Tozu yango na compte ya ba recherche pour na couper Sabino information en temps réel. La vidéo que vous avez suivie, ce sont les compatriotes. Les compatriotes, un combat qui se bat, un combat au ezali ko bunda. Na ba ligne de front, la ndenga bomoni bango wana bazana kati ya zamba. Les wazalendo sont vraiment dans la forêt. Quand je vis cette vidéo, Non, j'ai eu ce qu'on appelle les chairs de poule. J'ai eu des frissons. Moutou est comme Inga Mounene. Je me suis dit, mais comment on peut aimer son pays jusqu'à ce niveau? Ce sont des civils. Ce sont des civils Wazalendo que vous voyez. Mais comme il y a une loi, oh, bah, ça là qui sur la programmation des militaires, et que non, et qu'on a un groupe, il y a Batumoko, catégorie à Batumoko, pour na ko appuyer armée na biso yango moni ba wazalendo ba ke kubima. Et les jeunes là, les jeunes wazalendo alobi yango que ni tete les wazalendo, l'ennemi serait déjà à Kinshasa. Ni tete les wazalendo, l'ennemi serait déjà à Kinshasa. Ça veut dire que place bo moni vidéo wana, là ils sont dans la forêt. Ils sont na niveau ya Kanyama Oro. Là, nous sommes à un niveau, il y a territoire, il y a Niragongo. C'est là où se trouve maintenant le groupe Wana Bawazalendo. Bazali ko bloqué M23. Parce que M23 a Zali toujours un objectif. Il y a quelqu'un de quoi il s'akibumba. Il y a quelqu'un de quoi Zoua Kalembe. Ce qui va quoi ici Kibumba, va quoi ici Kibumba na Kalembe. Alors, Mouté Malabango Kiti. Bakoza la possibilité, yako kende, bakoma na goma, et puis à partir à goma directement, bakoti sid ki vous maniema, et puis, baye bakomi na Kinshasa. Ça veut dire que le M23, ils sont sur la lignée, notamment de Afdel. Parce que les Afdel, babanda ki na niveau, les Afdel, voilà, babanda na montagne ya Fizi. Babani na Emira, na hotel wana, na mboka wana, balongo wana, ba yei na niveau ya Fizi. Kolongo balongo na Fizi, directement babandi ko foncer. Tine bayaka bakoma kenge bakoma Kinshasa. Et le régime de Tshisekedi, le régime de l'IDPS, esengeli ba appuyer le wazalendo. L'autre alobi, bazana besoin ya bâche, botali vidéo. Na ebite maître Gims ou quoi aider biso na illustration to meka un peu kota la ko analyser ensemble na ba bonnet ya tango koki izi nyumba hapa ngambo ni Rwanda. Yani mupaka na Rwanda ni tu juste hapa ku imiti huko ile miti mnaangalia bonde njoo kwa adui ambaye anatu agresse. Donc le jeune frère, ces journalistes de guerre méritent les acclamations et puis ba félicitations na part na biso. Akei tina niveau ya front, akei kozwa image, azo zo bango ba interview, le général ya ba wazalendo wana azo loba, ye wana zako loba bozako mona ye. C'est un général du wazalendo.
oyo azali ko kamba moi o ba bengi bataillon wana ba wazalendo bazala ba minduki baza ko bunda et place au monde ba telemi wana bazali wana na niveau ya montagne ya kama kanyama oro là nous sommes dans les territoires de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu vers entre le territoire de Nyiragongo ainsi que de Rutshuru. Ce sont les Wazalendo. Tala nenge baza kubunda. Et puis, wana baza soki 15h, mais tala londende ya lolenge wana. Tala londende ya lolenge wana. Il fait d'abord très froid. Baza wana, ilamba mali les ate. Même ba bash, place ba lala. Ba on se débrouille. Et j'aurais appris que il y a un sujet congolais. Oyo azali ko soutenir bango. Mais oui, toza ko senga na ba compatriotes, botia ba moyen. Parce que soki wazalendo azala kite, M23 meza dena Kinshasa. Ero yo, menanga président république, Kabila ye, tozongi sur le kanenge histoire le baki, tango muzi akufi, Edi Kapent, azo gérer armée na biso, aéroport avion kitate, moto a bougete, moto a mekoleka na RTNCT. Parce que Kabila Zaki quelque part. Et les Occidentaux appelés, avec l'appui des Américains, de Kabila Yakiawa à se proclamer, autoproclamé président de la République. Et tu es au Kenena 1 plus 4. Mais là, le Wazalendo, il y a des gens qui sont déjà M23, Munguna, mais il est déjà M23, Munguna, mais il est déjà na Kinshasa. Je vous avais dit ici, na Tango Koki. Na yebi saki bino na tango koki. Ke soki kaka to sali attention te. Na cesse le fait. Na trêve humanitaire. Chers compatriotes. Déjà ville à Goma, mais pays déjà. Est-ce que j'en suis vidéo na biso ezokoba? Merci beaucoup. Mais l'estie déjà. Ville à Goma et Koui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Gims. Na illustration au Pessi. Merci beaucoup. Bon moni ba wazalendo ndenge bazana terrain. Bazana kati ya zamba. Ça veut dire que place bazali ezana montagne moko ezana sima na bango wana. Ngomba moko bon moni wana. C'est là où se trouve le M23. Mais toza komi tuna. Bibundeli oyoyo armée aérienne na biso ezana ngo. Ba pesa ngo ba wazalendo. Ta la distance place wazalendo azali. Et puis ta la distance place M23 azali. Eza mosikata. Et ça m'aussi kata. Ba missile à longue portée. Et koye ko kende ko atteindre bango. Comme chef de l'État le bakeke, même à partir à Goma, to ko atteindre Kigali. Même à partir à Kinshasa, to ko atteindre Kigali. Même à partir à Kisangani, nous allons atteindre Goma. Yango moni pesa ki Kagame vertige. Kagame a komi a multiplier ba consultation. A multiplier ba contact diplomatique. A bengi ba to Union européenne. A bengi ba multinational, a bengi le secrétariat d'État américain, a bengi bato ya Union africaine, a bengi bato ya coopération régionale, a bengi ba diplomate, a bengi ba chef d'État, a lobi Tshisekedi azo préparé élimination physique nae. Mais lorsque le chef de l'État le bakeke, même à partir ya Kinshasa, à partir ya Goma, nous pouvons atteindre Kigali. Le chef de l'État sera qui avant-hier, c'est à partir il y a un conseil militaire au chef de l'État à Zoua qui a un salaire déclaration. Tala Wazalendo place à Zakoulala. Chers compatriotes, tous les numéros dans Bango Awa. Est-ce que ceux qui ont bengi ou tindi quelque chose, totindi la Wazalendo, ma beko Zalawapi? Ou alors, le numéro dans Bango est affiché dans la vidéo, tout ça, l'illustration. Leur numéro est affiché. Une bâche na ebite Gims bâche moko ko coûter combien $100 ba 30 à $40 aux huit bâches moko 30 à $40 toi tu as $30 aux huit bâches moko ya blé ya kitoko ya bien ça veut dire qu'avec $200 au koyi ko pesa ba wazalendo na biso 10 bâches bino luka bénédiction kaka o noté bénédiction il faut pesa kaka ba orphelin to boite. C'est la Bible qui le déclare. Mais Bible peut le bien qui battait la mboka na yo. Israël est en Wazala qui en Égypte.
Moïse a écouté sa pharaon et Seigneur a libéré le peuple de Dieu. C'était une façon, il y a Moïse qui a servi Nzambe. Et tant que Israël a été mis en Égypte, il y a pas qui a été mis en Égypte pour récupérer ma belle Nabiso. Et Moutounio soit accompagné qui Israël est Nabitoumbawana. Azala qui moulongi. Et Azala qui béni. Yango moni nzambe a keyi ko bimisa même maina libanga pona ko melisa peuple naye. Parce que alobaye ki le pays que vous vous dirigez, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et le lo o mboka na biso pe toza agressé. Le wazalendo place bazako bunda. Bazana besoin ya soutien ya peuple congolais. To soutenir kabango et nous allons toujours le faire et je nous demande de continuer encore à soutenir le wazalendo. Tant on a moni place bazako lala vraiment na yo qui passe na motema mbongo bazako détourner awa ba millions de dollars mbongo ya 100 jours mbongo yo ba détourner awa wa ba DG ba ministre mbongo ya bukanga lonzo ba kozo ngote ba tinda ona ne pas na wazalendo bazawana ilamba mali les zate bazawana ba botine zate. À part comment Mindouki bazana, est-ce que Mindouki wana pe bazana masasi? Parce que baolo bake, tozana besoin ya soutien. Et papa John Kabongo, place ozali na Belgique, franchement, na pe suyo vraiment longonya. Oza ma mwana mboka. Mama Sophie Kiboba, tala papa John Kabongo, yoyo, a zubi no 3 points. Azo souteni ba wazalendo, c'est vraiment un compatriote. La diaspora ya Canada. La diaspora y a États-Unis, la diaspora y a Allemagne, y a Hollande. Pour soutenir mon wazalendo, et que vous avez malam. Et ça na l'issemon ko baloba et que ba pesa yo sac ya mbongo. Na ba pesa yo sac ya mabele. Yoko pona nini? Ba pesa yo sac ya mbongo. Ba pesa yo pe sac ya mabele. Yo oko pona nini? Moto ya bolema akopona saki ya mbongo. Mbongo wana soko sana maîtrise na ngote. Eko memayo na liwa. Oko soma mutu ko sali accident okufi. Oko kende soki sima soki ya ambiance ya loenge. Ozu malade okufi. Bako tila ope poison. Mbongo wana eko bomisayo. Me mutu ya bole ya bwanya akozwa saki ya mabele. Paske avek mabele. Oko sara bilanga. Oko zwa mbongo. Avek mabele. Avec ma coopération routière, ma partenaire, ma koya au Tonganzela, ma koutia péage au Bandofutsa, au Kozambongo. Avec ma belle, au Kotongandako. Avec ma belle, mon colo, au Kokoufa, ma Kokundayoapi, na ma belle. Mbongo et Kundayote. Ma Kokuno, la Katia Sakia Mbongote. Mbongo, ma Kozango, ma Kosoma, ma belle pour ma Kundayo. Tala wazalin de la Bissou, ma Osala Moussala Mounene. Bazalina Montagna, Kanyamaro or Kanyama Oro. Wana tozali na territoire ya Nyiragongo. Là où les M23 bazoni ngabati a bastion na bango. Mais ba wazali no balobi pas question. Bokuti a bastion na binote. Ba bandi bitumba piken piken. Place bo moni na vidéo ya illustration to tiela kibino na sima na bango ne place M23 zali. Mais ba char de combat eza awa. Ta la place ba vandi wana. Baza ta na munduki ya munene te ezate. A part ba aka. Mais ata ba nga moka. Bazo bundela bibi bundeli ya mike mais le M23 na ngambo kuna baza chargé baza na ba auto blindé baza na ba char de combat baza na ba munition baza na biloko ya kolia baza na ba kisi baza na bilamba malili baza na ba médecin baza na ba psychologue o bazo ya ko appuyer bango mais bitumba o tozolo ba kenon e singe to longa bitumba to ko longa ngonde nini le ministre de la défense kulutu na ngai Guimoua Djamvita. Bon, ça, la ma politique est malam. Quel est le budget que gouvernement congolais a réservé na compte ya Ewa FRDC et puis ya ba wazalendo na biso? Ogomonaboué, il y a des sorciers au sein de l'armée. Il y a des sorciers, moi je les appelle des sorciers au sein de l'armée qui bouffent l'argent des militaires. Honte à vous, vous êtes militaire, vous êtes excusez-moi, général. Mais vous vous permettez de bouffer l'argent, de détourner l'argent des militaires. La sorcellerie, c'est lorsque vous êtes un général et qu'on vous donne l'argent pour aller soutenir soit le Wazalendo,
soit les militaires au front, acheter soit les médicaments, acheter soit des tennis ou des munitions, et que vous prenez cet argent, vous les bouffez. Vous êtes un sorcier. Vous êtes un sorcier. Avant que vous soyez un infiltré, avant que vous soyez un traître, vous êtes d'abord un sorcier. Parce que Ndoki, Alingarabola Mouté, et le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne veut pas voir que nos militaires puissent se plaindre, même dans une situation qui leur préoccupe, soit de manquer l'alimentation, soit de manquer, je ne sais pas moi, les produits pharmaceutiques où on peut soigner les militaires. Le chef de l'État ne veut pas attendre que les Oisalens ou alors nos FRDC n'ont pas de tenue. Non. Voilà pourquoi le chef de l'État, il demande toujours au gouvernement d'adopter les projets qui financent, qui peuvent appuyer financièrement, matériellement, mais également en termes d'accompagner nos Oisalendo ainsi que nos militaires. Tala Oisalendo place à Zobunda, na Simanae M23 Zali. Avion de combat, avion de chasse, Sikor Yvesen, Sokikaga et Telemiwana, place Wana Nyon Surangomba, place Bomoni Listraction, Bakuzali Souta. Et comment ils opèrent? Bah, ils ont bloqué route. Ou ils ont route à Bounagana, soit route à Niragongo, et route à Routchour, et Kende Goma. Parce que Biloko, ils ont route à Lambo, Kawana, ils ont approvisionné Goma. Les M23, ils ont bloqué Nzela. Mais tant que les Wazalé, ils ont bêta Bango, na ba ligne de front, ils ont na ba dépôt na Bango, ils ont tumba, ils ont récupéré la localité na biso. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de féliciter les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, encore une fois de nouveau, pour sa politique de chercher à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, ils sont en train d'empêcher les M23 Baya Nakibumbate. Bazali ko empêcher les M23 d'avancer. Alors, awa, tactique ezali, il faut pas qu'il y ait des qu'on menace, qu'on attaque, qu'on ne peut pas libérer. Place au Bavandi, na niveau Yaniragongo. Bravo encore à nos Oisalendo. En tout cas, chers compatriotes, Maman Sophie Kibouba, J.C. Mala, Maman Mélanie na Canada, Maman John Kabongo, Ndeko John Kabongo, pardon, Bolembate, Yako soutenu, ba Oisalendo na biso. Moussala Bazako sa les Amoussala Makasi. Eza Moussala Makasi, balingimboka mingi bandeko na biso oyo. Yo za na Canada. Peut-être que le bas Congo n'a pas besoin d'aller sur Kounate. Mais ils ont m'appelé à Bakoko. C'est la terre de nos ancêtres. Cette terre que M. Corneille Nanga est en train de collaborer avec les ennemis de la paix, M. Kagame. Cette terre que Nanga est en train d'être soutenu, ou alors il est soutenu par M. Kabila. Cette terre que Kabila ne veut pas attendre que la paix est revenue à l'Est de la République démocratique du Congo. Kabila ne veut pas attendre ça. Lorsque le chef de l'État a dit que Kabila est en train de préparer l'insurrection, mais les M23 sont aussi considérés comme les mouvements du terroriste, les mouvements du terroriste qui sont en train d'être créés pendant que Lukako déstabilisait ma institution et allait établir légalement. Nous n'allons pas permettre à M. Kabila et à M. Nanga, M. Bertrand Bisimwa, M. Wilingoma, mais c'est magie, mais c'est Kagame de pouvoir prendre même un seul kilomètre aux environs de la ville de Goma. Tu peux permettre, Bangota? Dans cette information, Moko, Oyo, Baza Kolobayeke, Chirimwa, mais c'est pas remplacé na Constant Dima. Constant Dima, il faut zonga la fonction. Et c'est Constant Dima a zonga la fonction. Parce que Chirimwami, toujours comprendre été. Depuis que Chirimwami a commis combien de localités au pays dans ma boko ya M23, au temps à Constant Dima, ma localité on les a qui na contrôle la FRDC. Aujourd'hui, autant de localités sont entre les mains du M23. Autant de territoires et certaines localités et certains villages au Israël ma boko ya M23 que pendant la période de gestion ou pendant la règne, il y a Constant Dima et Zala Kité.
Donc nous pouvons conclure ou déduire que Constant Dumas est plus compétent que Chirimouam. Et d'où nous demandons le retour de Constant Dumas. Les commandants suprêmes, le peuple congolais exige le retour de Constant Dumas dans la province du Nord Kivu. Le peuple congolais demande le retour de Constant Dumas dans la province du Nord Kivu. Parce que non seulement que les Rwandais ont peur de ceux qui ont travaillé avec Mobutu comme des militaires, mais également, ce sont des vrais compatriotes. Et on constate en eux qu'ils ne peuvent pas trahir. Balongo lui Constant Dumas parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le carnage. Mais non, ces gens-là étaient des Rwandais. Et ces gens-là étaient des Rwandais qui avaient infiltré ces mouvements des citoyens afin de venir déstabiliser les institutions provinciales dans la ville martyre de Goma. Voilà pourquoi Constant Dumas avait pris des responsabilités et des décisions comme le gouverneur militaire afin de protéger les chefs-lieux de cette province. Mais ses détracteurs ont passé par cette occasion afin de demander au chef de l'État et le commandant suprême, ainsi que le ministre de la Défense à l'époque, Jean-Pierre Bemba, afin que ce monsieur puisse être relevé de ses fonctions. Et jusqu'aujourd'hui, depuis Aya Kisasa Wazonga Lissoukounate. Mais qu'est-ce que fait Chirimouami? Chirimouami est arrivé, non seulement que beaucoup de nos villages, beaucoup de nos localités, qui n'étaient pas sous le contrôle du M23, aujourd'hui, après le départ de Constant Dumas, ces localités sont entre les mains, notamment de nos ennemis et de M23. En dehors de cela, Chirimouami est allé réserver un accueil chaleureux auprès d'un ministre des Affaires étrangères rwandais, ce ministre-là qui est en train de nier qu'ils n'ont jamais signé un accord de neutralisation du FDLR, mais également de retrait du M23 des troupes de Rwandais sur le sol congolais. En même temps, Chirimouami, nous avons suivi que Chirimouami est en train aussi parfois de trahir la volonté des chefs de l'État, de chercher à imposer la paix dans cette province. Moi, je me demande, une province qui est sous l'état de siège, pour la 85e fois, si je ne me trompe pas, qu'on puisse réhabiliter ou proroger l'état de siège, si je ne me trompe pas, parce que j'avais lu ça quelque part, et je vais encore revérifier. L'état de siège est prorogé plusieurs fois. Mais là, les résolutions, alors les résultats, n'est pas du toujours escompté. Les services de renseignement militaire est sous le contrôle du gouverneur militaire. Les services de renseignement civil, l'ANER, les services de l'inspection provinciale de la police, les FARDC, tous ces services-là, c'est entre les mains du gouverneur, c'est lui qui est en train de conduire et de gérer la province. Mais pourquoi il y a des localités qui tombent sous le mains du M23? Mais quand Constant Dumas était là, nous n'avons pas vécu ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu? Bakayi Koyamba, ministre des Affaires étrangères, et c'est le gouverneur militaire qui accueille celui qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères rwandaise avec les honneurs. Et il fait des gardes à vous. Comme l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, l'avait dit, cette histoire nous a indignés. Nous n'avons pas apprécié les comportements des gouverneurs militaires à dit intérim de la province du Nord Kivu, M. Chirimouami. Nous n'avons pas apprécié ça. Soit vous êtes en train de collaborer avec l'ennemi, soit vous êtes compétent. Et si vous avez tous ces deux critères, alors on doit vous mettre à côté. Si vous collaborez avec l'ennemi, ça veut dire que vous êtes un traître. Si vous ne collaborez pas avec l'ennemi, ça veut dire que vous êtes un incompétent. Alors, on doit vous mettre à côté. Parce que la province a les services de renseignement militaire. La province a ce qu'on appelle l'état-major général de la province. Il y a des militaires, il y a des généraux qui sont en train de conduire les opérations dans cette province. Mais pourquoi il y a des localités qui tombent entre les mains des ennemis? Chef de l'État, commandant suprême, Mouamara Bobola, le porte-parole des 100 voix de peuple congolais, nous vous demandons
avec les hommages, le pli des ferrons, de prendre les dispositions afin que les gouverneurs militaires de la province du Nord Kiv puissent un peu être remplacés. On doit un peu remplacer la gestion de cette province par un autre militaire. Parce qu'il y a un autre militaire qui a dit, quand vous voyez que la sécurité est dérangée dans une contrée et que les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à cette insécurité, ça veut dire que les éléments ou alors les personnels de la sécurité ou alors les militaires, ils sont aussi en train de collaborer avec les ennemis pour causer du tort au peuple. Voilà. Bawazaline de l'Abisso, Bazako Bunda. Bravo encore une fois. En tout cas, image Oyo et Salinga vraiment malam mingi. Seulement, tout mon kakwa pouye bango. Moi, Bash Otindi, numéro na bango à contact et Zawana. Si vous voulez voir ça, retournez, commencez l'émission. Au moment na Bawana, na Sewana, à bas de l'écran. Au moment na l'air numéro du journaliste est là. Vous l'appelez, vous dites non, je suis compatriote. Hein, je suis maman Mélanie, je vous appelle depuis la ville de Canada. Je suis monsieur Jusema là. Je suis maman Sophie Kiboba. Je suis maman Dipo Esabe. Je vous appelle depuis la ville par exemple de Paris, depuis l'Australie. Je vous appelle depuis Dallas, depuis Buenos Aires. Je vais envoyer quelque chose pour les Ouazalendo qui sont en train de combattre contre l'ennemi afin de protéger notre territoire. Vous envoyez, ils peuvent acheter les bâches, ils peuvent se faire acheter des nourritures, et donc voilà. Alors, autre information, on a bloqué un avion cargo. On a bloqué un avion cargo des Rwandais à l'aéroport de l'Égypte. Au niveau de l'Égypte, les Égyptiens, les services de l'aviation civile, les services de la douane, les services de la sécurité des Égyptiens ont bloqué un avion des Rwandais avec des munitions, avec des minerais à destination de Paris. Chers compatriotes, au moment où Emmanuel Macron ne peut jamais, jamais, jamais condamner alors l'agression rwandaise et appuyer la République démocratique du Congo afin de bouter dehors les ennemis de la paix ou alors le M23. Voilà la raison est là. Parmi les raisons, voilà les raisons sont là. Un avion cargo de Rwandais avec des minerais vers la ville de Paris et cet avion a été bloqué au niveau de l'aéroport, au niveau de l'Égypte. Est-ce que Dims, on peut avoir l'image de cet avion, Oyo, ba bloqué en haut, na niveau, il y a aéroport, il y a Égypte. Avion Oyo, ezali na kat, naba minere, ba sac, ba tiango, ba mbadi. Hein, biso ben en haut, ezaka ba bag. Ça veut dire que, ezali na ba, hein, ba, comment on appelle ça, ba mbadi. Ba tiango wana, avion boza komona wana. S'il vous plaît, chers compatriotes, c'est cet avion que vous êtes en train de voir. Babylon, comme ça, comme on a pembe, il pembe de vendre dans Sewana. Ils ont un minerai à Congo. Un minerai Oyo, basui na Niragongo, Oyo basui na Kichanga, Oyo basui na Rubavu, et bimi Bunagana, et qui est comme Rwanda, basui en haut, batiens, on a basaki, bambale en haut bien, et puis charger en haut, démarrer avion destination Paris. Mais il faut aller Kana par Égypte. Et à partir à Égypte, tant on va sali escale. En faisant l'escale, on déplace au baye ko kanga avion ana, ba tala na katibo, ba minere. Et les services aéroportuaires, il y a douane, ba j'ai information que ces minerais proviennent notamment de la République démocratique du Congo. Mboka na yo, mboka na ngai. Mboka na yo, mboka na ngai. Ba minere wana et sur ma wazale dans la vidéo tomoni ba teka ba minere ba somba minduki ba appuyer FRDC ba appuyer ba wazalendo ba minere wana ba teka ba futa balakisi ba futa minganga toto ngabanzela ba minere wana to futa ba fonctionnaire de l'état
tous ceux qui viennent au pays Congo Airways, les mineurs ont créé une entreprise pour na bilenge, pour na baimbo kabazwa misala, les mineurs wana batunga banzela na Congo, tobi misambo kanabiso na pauvreté. Mais tala, les mineurs wana ezako kokende mais c'est Kagame. Voilà pourquoi mais c'est Kagame, ils a difficile pour na ye à retirer les militaires na ye na mabele ya Congo. Ils a difficile. Même si les États-Unis ont accusé Ngaïki à retirer ma militaire dans le Congo, c'est tellement compliqué. Et ça compliqué, chers compatriotes, parce que ma minéraux en est qui France. France a causé yango, ndambo bateki, bazumbo ngoba kaboli, ba pays allemand par naie, ba pays Belgique par naie. Bon moni hein, tout est que ma minéraux, les minéraux et qui, ils peut-être autant de tonnes, on a vendu ça bon. Na compte, tu as combien? Tu as autant de milliards. Bon, l'ongola, 1 milliard, bote la, mais c'est Kagame, na compte na ye, pour na, achat ya ba Minduki, et puis nda mope, bote la ye, asunga makambo ba génocide, nda mousto sa la nini. Bon, nda mou ba pe si gouvernement français, ba tiè na compte Emmanuel Macron, moussou sou ba pe si gouvernement allemand, moussou ba pe si compte ya Suède, ba pe si compte ya Union Européenne, ba pe si ba multinational pe ba zui. Alors mususu bazu yango ba virer yango na compte ya bisika place ba sombaka ba nini ba munition na bango ba somi ba munition eye Kigali et comme wana ekoti bunagana et que kwapuye ba banda. Ça veut dire que c'est ça au fait le système. Bon, comment nous allons compter sur ces gens? To ko compter les couleurs ba to modèle o ndengeni ba ko zo pena mambongo ba tina na compte ya Kabila. Bazuna mbongo batie na konti ya Olivi Lembe. Bazu mbongo ndamo batie na konti ya Corneille Nanga. Parce que bango baza même famille. Kabila, Olivi Lembe, John Numbi, Nanga, Kagame, Bertrand Bisimwa, Willy Ngoma, les oiseaux de même pimage. J'ai dit ceci. Ce qui se passe à l'Est, et Kabila, et Nanga, et Kagame, et Willy Ngoma, et John Numbi et Olive Lembe, tout l'ensemble de ces gens-là, et quelques membres du FCC, du PPRD, ils sont dedans. Papi Tamba, il a été soupçonné ici par les services de renseignement de recruter des jeunes gens ici au niveau de Télé de Lingua, là, ici, de les renvoyer au niveau de Zimbabwe, sous prétexte qu'ils vont aller étudier là-bas. Pour aller faire des formations en sport, en football, alors qu'ils arrivent là-bas et on les intègre dans la formation militaire qui pousse les envoyer aller rejoindre Nanga. Nous avons suivi ça ici. Et c'est ce qui a fait que Papi Tamba puisse se cacher. Alors, quand le chef de l'État dit que Kabila, Nanga, ils sont la même chose, ils dorment dans la même marmite, alors qu'en dirons-nous alors? Est-ce que vous avez des informations plus que le chef de l'État? Qui est mieux informé dans notre pays, plus que les commandants suprêmes? Parce que vous allez dire, non, vous les gens de l'IDPS, les gens de Bassia Banzete, vous mangez la viande des chats. Oui, atato lia kamisuni yabamboa, metolinimbo kanabiso. Binoka bolia kamisuni yabangombe, bolia kabasoso, bolia kasokinini, bomela bamiliki, bokende na Rwanda na bino. Naba M23, naba Kagame bokende. Biso ton dimaike, tolia kabamboa. To lia kaba mbwa, to mela kaba mama kila ba nyau, na ba mbwa, to ndimi mboka na biso, to teka yangote na bangu na. Oui, à un moment donné, on doit accepter ça. Parce que comme le col a sigé à les gens de l'IDPS, ces gens-là sont des minables, ces gens-là sont des vanipiés, sont des vagabonds, les consommateurs de viande de chat et de chien. Oui, nous acceptons, mais pourvu que même pas un seul kilomètre de notre pays, de notre territoire, soit cédé par les ennemis. Bino na ba Kabila, boulia ba misuni, bozolia ba soso, bozola na ba place ba climatisation, mais ta la place bosuki, ta la misa na bino, misa la ma b, toko dénoncer bino. Nous n'allons pas vous laisser la tâche facile, toko dénoncer bino. La mort ou la patrie. Nous allons assumer tout. Nous allons assumer. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Quand Tshisekedi est en train de survoler le sol, les espaces aériens, même pas une balle
Ata lisasi moko te meka ozwa avion Tshisekedi. Tango Tshisekedi aza koloka. John Numbi, Nanga, Kabila. Tango avion Tshisekedi aza komata. O ezo kita en Afrique du Sud. Loin de vous l'idée d'envoyer, je ne sais pas moi, si c'est une lance-roquette qu'on puisse tuer et abattre Tshisekedi à l'intérieur de son avion. Ata souki a Tshisekedi moko elongwate. Ata libanga ezo a Tshisekedi te. Parce que c'est quelqu'un qui gère le pays selon la volonté du peuple. Tshisekedi ne gère pas le pays selon la volonté des armes. Non. Vous, vous êtes de rebelles. Tshisekedi, c'est un fils d'un démocrate. Et voilà, il est en train d'exprimer sa démocratie. Voilà. Bakangi avion na bino na Égypte, na ba minerai, ils ont qu'en France. On a bloqué ça là-bas. Na ébite, chers compatriotes, chers téléspectateurs, mettez dans vos commentaires, ba minerai ou na ba sala na ngonini. Est-ce qu'il faut ba pesa ba égyptien, hein, pour la moussala ba sali, ba pesa bango, ou bien ba zong sa ngonyonso, awa awa. Hein, ba décharger ngonyonso, ba zui avion na ba mwale papa. Bimali banda territoire ya Égypte. Kende, basou ba minerai va garder. Et on va prendre notre avion de Congo Airways. On envoie ça au niveau de l'Egypte. Ba kende ba récupérer minerai wana et zonga awa. Ou bien à partir de là, ba koko changer vos destinations. Et kei Qatar ba te kimbongo wana yé, ba sombe la Congo Airways ata ba avion. Mbongo wana ba minerai o ya ba kangi avion ya ba Rwandais na niveau ya Egypte. Ba zo mbongo wana. Batinda Congo Airways, akenda zongo bateka na Qatar, basomba ba avion, batia na compte ya Congo Airways. Moi je crois que c'est ma proposition. Comme Congo Airways a des problèmes des avions, ils peuvent faire ça. Le président de la République peut instruire le ministre des Transports. Et puis basali coopération entre le ministre ya mine na ministre en transport, basali ngo mbongo ekoti et sous ma compagnie wana. Ça c'est mon point de vue. Na ebite soki yo au monnier que point de vue na yo et kozala ndenge nini par rapport ya information to pesi ndenge bakangi ba minerai ya na kati avion rwandais ezo kende destination Paris ba minerai baza ko yiba ngona est yawa o baza ko bomo baza ko pier Kagame azu yango ezo kende Paris ba kende koteka ba bloqué on aéroport ya Egypte na ebite qu'est-ce qu'on peut faire avec ça tia point de vue na on a sei et puis na prochain numéro na biso nous allons revenir pour na koluka ndenge nini totang ba message na minute pe sa proposition na bino et pas la chef de l'état DG Stéphane bala mwange déjà na suka ya émission na biso mais je ne sais pas eloko nini auto lobité qu'est-ce que nous devons dire encore hein qu'est-ce que nous devons dire encore eloko nini to lobité est-ce que Gims on peut avancer ou bien on peut arrêter OK merci beaucoup ba pe biso à ta 3 minutes pour to chiter. Dossier oyo avion boyoki ki hélicoptère et survolé présidence de la République. Balobino ezali avion ba Rwandais oyo Kagame atindaki po ya kuboma Tshisekedi. Ba misusu balobino ezali avion utaki na ngambo ya Brazza Sassou Aza complice ndi avion ya ki po boma Tshisekedi. C'est faux. Je vous donne l'information. Naibi que notre boss de la chaîne, Stéphane Balamwangi, le deuxième bien-aimé à qui je salue, que le Seigneur vous bénisse, a le bel Kango déjà, parce qu'il y a Zagapé mieux informé. Le DG Stéphane Balamwangi, il est tellement mieux informé. Azan, moi, par contact, il s'en fait de l'avoir informé, mais il est vraiment Zagapé informé. Alors, Naibi que a le bel Kango déjà, mais Ngapé n'a rien coupé ça, version Ngaipé. Avion Wana. Avant avion ne survolé présidence, il y a un avion hélicoptère Koyaki Nandolo. Hélicoptère Koyaki Nandolo, ezali agence moko ya transport aérien. Bango baza spécialisé na bacha ya ba minduki, na ba livraison ya ba minduki, na ba fabrication. Ça veut dire que ba kenara place baza ko fabriquer minduki, ba kei ba sombi, ba yi ba offrir bino. Nazo bo sa na kombo ya agence. DG après ça il y a un mot c'est bah tu as je mire quelque chose comme ça alors cette agence basée en collaboration
na monsieur Mandungu, le conseiller Mandungu. Au fait, il y a ça le coup la mentor na bango. Lorsque le président ou alors le gouvernement veut acheter les armes, bazouaka collaboration est pas naie et puis bakayi ba sombi Minduki ba pesi na FARDC. Alors cette fois-là, bakanayi ko somba ba avion il y a ba hélicoptère wana militaire na niveau ya Tchad. Mais ils ont là qui a qualité à bien te. Hélicoptère à Liboso, parmi les hélicoptères, Basoma iba doté FARDC. Il y avait un hélicoptère qui était tombé à partir du Tchad. Pour quitter le Tchad, venir au Congo Kinshasa, cet hélicoptère était tombé là-bas. Et il y a eu aussi des gens qui étaient morts au sein, à bord de cet avion, alors de cet hélicoptère. Maintenant, il y a d'autres qui avaient résisté et qui est arrivé jusqu'ici. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de faire l'essai, comme ce sont des étrangers, ce sont les Algériens qui sont en train de piloter cet hélicoptère. Bayebi Kinshasa te. Et ça, le quoi, nga marabobo la, babo akinga na Kigali. Non, na Kenda et pas na Kagamete. Mais papa, ce qui n'a zotambo, la roke no kota même na lopango Kagamete. Parce que moi, je ne connais pas là-bas. Et c'est comme ça que, bazo sa la rodage, ba ou le kalikolo, ba essaye ba avion ana, de ba Kenda yko survoler espace aérien ya nani, ya présidence de la République. Kuna avion le karaté, kuna les seuls avions. Oikoiko les kakuna ezali ba petit porteur ou bien ba hélicoptère ninge yaka hein ça soit outi na ngambo aye akiti et puis donc voilà. Donc il y a rien à voir par rapport il y a assassinat, il y a rien à voir par rapport à coup d'état non. Parce que la présidence de la République est blindée hein. Pour la okende ko ça la coup d'état okeno ko ma place Fati Beto afandaka. Ah papa. Malanga meka kiawat. Chef de l'État zana oya. N'est-ce pas? Il y a un palais de la nation. Avant que celui qui a un palais de la nation, il y a un drapeau qui a un Zahi, à ceux qui n'ont pas de. Et puis, l'histoire de la Kiwana. Il y a un général Ephraim. Général Ephraim a lobby. Oh, il y a un mécanisme. Oh, il y a un mécanisme. Il y a un sale coup d'État. Bango Baza Simanae, la GR. La garde républicaine. Où est l'armée aérienne? Je parle de la garde républicaine. Où est censé yakobate là uniquement le président de la République, la première institution. Il y a l'objet qui où est cause ma canici? Yakobo ma chef de l'État. Yakob ça l'assassinat. Bah comme maïti na katia liboulou. Bah comme maïti na katia tombe. Et c'est là qui n'a pas de mogo. C'est là qui je crois que l'objet ce qui n'a pas précision. Il y a occasion, il y a parade, wana, tu vas informer bino, et puis tu vas voir qu'est-ce qui va se passer au pays. Na pe simbo te nangai, et pendant excellence Nicolas Kazadi, la main blanche, enfant de Dieu, l'homme qui n'a point détourné, mais qui a accusé de détourner, alors que le projet, c'est un projet du gouvernement, présenté par le ministre membre du gouvernement, le ministre sectoriel du développement rural, François Rubota, avec un fournisseur de forage, le gouvernement a adopté, le chef de l'État a donné son quitus et on fait appel à l'argentier de la République, lui qui est le gardien des finances publiques, on lui dit sortez l'argent, payez ces gens qui puissent aller acheter les forages et puis donner à notre population les forages parce que le chef de l'État devait aussi aller dire à la population que voilà, nous vous avons donné de l'eau avant la campagne électorale. Et quand Nicolas crée un compte pour aller déposer cet argent et c'est dans les comptes du ministère ou alors du gouvernement que l'argent a été logé, qu'il puisse aller acheter les forages et réaliser les projets. Et on va dire non, voilà, le projet de forage a été détourné. Comment avoir acheté un forage à 290 000 dollars? Mais est-ce que le problème, c'était le problème de Nicolas qui avait sorti l'argent? Non. Lorsque nous partons même dans des caisses, dans les entreprises, moi je travaille par exemple au niveau du ministère de la Santé. Alors, j'ai besoin d'effectuer un voyage que le ministre m'a envoyé. On m'envoie chez les caissiers. Le caissier n'a pas le droit de savoir si je vais où, si je vais faire quoi. Non. Le caissier n'a que le rôle de sortir l'argent et de signer et de me donner les bons afin que moi je puisse partir.
mais je dois aussi mettre aussi ma signature pour le protéger que j'avais sorti l'argent pour que M. Mara puisse voyager. Et c'est ce que Nicolas Kazadi avait fait. Le gouvernement a adopté le projet. Et on demande au ministre des Finances, venez, sortez l'argent, payez ces gens. Quand Nicolas sort l'argent, où est la place de détournement? Et Nicolas dit, nous allons payer cet argent à trois tranches. Première tranche, il a sorti l'argent. Deuxième tranche, il a sorti l'argent. Troisième tranche, il a sorti l'argent. Mais quand il comprend que la première tranche, l'argent était sorti et cet argent n'a pas servi, selon les ententes entre la banque et le ministère des Finances, que ce que moni bango baye, par la question, par réalisation, par projet, par sali, y a bilo ko ba somi, ndo fouti bango. Ce qui est exact, coupé sa bango te. Ne komi ke non, moutoua ibi mbongo. Mais nous sommes dans quel état? Pourquoi dans ce pays, les valets sont remplacés par les antivalets? Quelle est la français qui m'ingaye? Na lingana bimiselo ko moi même en français qui m'ingaye. Donc, je suis en train de saluer l'excellence Nicolas Kazadi. Et après que la justice ait pu s'appeler et François Lubota et les fournisseurs et Nicolas Kazadi, Batouni Nicolas Kazadi dit papa, yo zana ninga naza caissier financier. Ok. Obimisa imbongo combien? Obimisa qui autant? 290 000 dollars. Ah, ça est 5 millions, c'est combien? Ok. Ça y bango, wap ba document. Ba document, ou maïna banque, ni ma qui va vérifier na banque. Ah, ok, c'est bon, papa. Tellement. Rentre chez toi. Kende ko assisté dans ma plénière aux députés qui ont réfléchi ni au salaire de la loi pour nous renforcer ma finance publique. On les libère, il est disculpé. Pourquoi tu as un dictionnaire? Pour la disculpation, vous allez voir. Babengi Rubo Tayaka, yo ministre sectoriel, tant que tu as 290 000 dollars, bon, on a aux alakiwa pour vérifier que les projets sont allés à Montana. Et tant que tu as mis un bon, yo aux alakiwa. Babengi fournissait, yaka, oh, t'es bon, mon papa, bozalakuna. C'est comme ça la réalité. Donc, nous, quand on défend Nicolas comme ça, ça veut dire que tu es bon à Nicolas. Donc, même quand on défend les Wazalendo, ça veut dire que Bissot est bon à Wazalendo. Quand on défend les chefs de l'État, on dit non, nous sommes en train de chercher les postes. Quand on défend le gouvernement, on dit non, on veut que Judith est soumise à puisse nous appeler et puis nous donner des enveloppes. Je vais vous dire une chose. Nous sommes tous des Congolais. Mais nous n'avons pas tous les mêmes éducations. Nous sommes tous ici de la même société congolaise. Mais nous n'avons pas tous subi la même éducation. Nous sommes tous des compatriotes congolais. Mais nous n'avons pas tous la même éducation. Moi, Mara Bobola, je suis ici d'une bonne éducation. Une éducation chrétienne. Je ne connais pas la corruption. Je ne connais pas les antivalets. Je ne connais pas comment on peut trahir quelqu'un. La trahison chez moi, ça ne passe pas. Et les valets de la politique, comme Étienne Tshisekedi m'avait inculqué, il m'a dit, Mara Bobola, sachez-le que les valets de la politique sont entre autres la loyauté, la fidélité, la serviabilité, la constance et l'amour. Arrête-toi là. L'argent viendra. Les maisons viendront. Tout ça, moi je ne peux pas trahir parce que je ne sais pas moi comment. Donc, Nicolas Kazadi, il a été disculpé. Et nous pensons que dans le jour à venir, si le chef de l'État veut exploiter Nicolas Kazadi, il a évité. Est-ce que le chef de l'État, au gros donc ça, Nicolas Kazadi, quelque part, parce que degré, il y a sincérité, il y a honnêteté qu'on a suivi l'émission de Nicolas Kazadi à Sali. On a compris que Nicolas Kazadi n'était qu'un sujet de manipulation de ses détracteurs. Et bon, je suis un journaliste. Les journalistes qui ne maîtrisent rien en termes de gestion de la République, en termes de l'administration. Administration dans la réalité dans l'eau. Administration dans la réalité dans l'eau. Quand Mikanda, Kotibo Mikanda, Zongo Mikanda, il y a des entreprises au Kotibo, au moment d'un bon côté, quand Mikanda. Mais à la fin du mois, il y a eu ce papa qui n'a pas grand chose en bon. Donc voilà, n'a pas si mot en angaï, et pas na tantine en angaï clôture. N'a pas si mot en angaï, et pas na tantine clôture. Honorable clôture, n'a pas si on beauté. Honorable Nabiso Eli Yamboujumaï, n'a pas si on beauté. La bonne sanité tantine nga Claudine. Allez, on se retrouve à la prochaine. DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo e koki. Tolanda kango. Papa Stéphane. Bala Mwangi. Oh yeah yeah.